Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ma deuxième vidéo. À la demande de pas mal de personnes qui ont vu la première et la deuxième vidéo et qui ont aimé apparemment. Sinon, ils ne me l'auraient pas demandé. Donc, je ne le ferai pas. Et donc, j'ai eu de très très beaux échanges avec des personnes formidables avec qui j'ai pu discuter, échanger et avec qui je suis en contact toujours. Et ça va continuer. Je remercie aussi les personnes, les petits soldats vous vous reconnaîtrez, qui m'ont vraiment insulté, qui ont manqué de respect vis-à-vis de moi. Mais c'est pas grave, je vous pardonne. Et un jour, vous comprendrez et vous verrez bien que j'ai raison. Donc, l'intitulé de cette nouvelle vidéo, c'est quel est le but de notre mission sur cette terre? Et cette fois-ci, afin de ne pas trop me perdre, de ne pas oublier des éléments essentiels, j'ai tout noté. Je suis une bonne élève, hein. Alors, commençons. Posez-vous ces simples questions. Lorsque vous voyez des vidéos de personnes s'autoproclamant mentors ou sauveurs, sauveuses du monde, parlant d'ouverture de conscience, faisant des canalisations et bien évidemment les visioconférences, ce genre de choses, qu'avez-vous retenu? Est-ce que ça a changé votre vie ensuite? Si la réponse est non, et je pense que je mets le doigt dessus, vous n'avez rien appris de particulier, vous êtes toujours au même point, tout simplement. Eh bien, c'est normal. Sachez que cela devient une addiction. Si la réponse est oui, pas bien. Vous vous accrochez à un espoir que l'on vous fait croire, mais qui est totalement illusoire. Et pourtant, vous continuez. Cela devient une addiction. Vous vous baignez dans cette illusion enivrante, en leur donnant du crédit, probablement même votre argent. Vous cherchez des réponses, car vous êtes perdu, et pourtant, vous écoutez ces personnes qui, au fond, n'en savent pas plus que vous. C'est pour cette raison que je fais cette vidéo, pour vous faire gagner du temps et de l'argent. Tout ce que je demande n'est qu'un retour sur cette vidéo. Ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé, vous a permis de réfléchir, ou même le silence. Qu'importe, le but n'est pas de gagner quoi que ce soit, si ce n'est de vous ouvrir l'esprit. Bien entendu, nous sommes dans le domaine de la spiritualité. Oui, dans le domaine spirituel. Ce qui implique que ce n'est pas une science. Ainsi, mes points de vue sur ce sujet sont bien entendu subjectifs. Commençons. Je pense que le but de la vie est de se rapprocher du divin, de la lumière, d'apporter notre part dans ce monde. À petit ou grand niveau, de faire le bien en donnant, aidant et vivant avec amour, que notre âme incarnée se rapproche le plus de la perfection. Avant de nous réincarner, si tel est le cas, car on peut choisir de continuer sur l'autre plan, afin d'aider de l'autre côté, les âmes des défunts peuvent choisir de ne plus revenir. C'est un choix parfois. L'aide que l'on peut apporter est meilleure de l'autre côté. Nous choisissons alors avec notre cher guide, tous sans exception, par rapport à notre cheminement spirituel, bien évidemment, quelle vie alors nous allons décider de vivre? Et je vous donnerai trois exemples pour essayer de comprendre un petit peu la chose. Sachant qu'il y a des multitudes de chemins de vie comme choix. Supposons pour ce cas, supposons, hein, c'est une proposition, que la personne était une femme qui a été malsaine, autoritaire, odieuse, menteuse, etc., qui aura fait beaucoup de mal aux gens de son vivant. Une fois de l'autre côté, et ça c'est pour tous, hein, pas que pour cette dame, une fois de l'autre côté, vous revoyez toute votre vie. Alors le bon, bien évidemment, tout ce que vous avez fait de correct, de génial, de magnifique. Mais il y a aussi le mauvais côté. Et
comme de l'autre côté, vous savez que vous ne pourrez pas changer quoi que ce soit. Ah, c'est fait. Ben oui, vous êtes un peu mort. Votre conscience et votre âme entière hurlera de douleur. Vous aurez toute la connaissance de l'autre côté, vous saurez tout. Alors s'en suivra des phases qui s'effectueront par étapes. Et surtout, le plus important, d'accepter vos imperfections, vos erreurs. Fait de votre vivant, et que pouvez-vous faire maintenant pour vous racheter? Exemple numéro 1. Alors ça, c'est pour toutes les vies, hein, quelles qu'elles soient, que ça soit clair. Alors vous choisissez votre vie, celle que vous allez donc amener à bien. Vous choisissez bien sûr le pays de naissance, vos parents, votre famille, les frères et sœurs, ou pas, si vous ne voulez pas prêter vos affaires. Alors dans cet exemple numéro 1, elle pourra choisir de se réincarner dans une personne à la santé fragile, laide, peut-être même une déficience mentale, et de vivre de longues années de souffrance morale et physique, donc subir, s'auto-punir. Mais elle n'aura pas avancé spirituellement. Exemple numéro 2, elle pourra choisir de revenir en femme ou homme, mais ça c'est dans toutes les vies, hein, c'est un choix. Dans une vie où elle sera riche dans tous les domaines pendant une trentaine ou quarantaine d'années, où tout ira bien et tout perdre, et finir dans la pauvreté jusqu'à la fin de sa vie, mais elle n'aura pas avancé spirituellement. Exemple numéro 3. Elle viendra de façon humble, peut-être avec des handicaps ou pas, et se rappelant peut-être des traces de sa vie antérieure, ou selon le nombre de réincarnations, la compréhension sera si rapide qu'elle fera alors le bien sous toutes ses formes en subissant. Elle aura avancé spirituellement et sera donc rachetée. Bien sûr, lorsque l'on se réincarne, nous connaissons de A à Z toute l'histoire de notre future vie, les tenants et aboutissants, mais si on savait d'avance et vu que le but de notre réincarnation de nous élever, de comprendre le bien et le mal, nous éviterions tous les côtés déplaisants, si c'était le cas, afin de ne vivre que le meilleur. Mais alors, cela ne servirait à rien, puisque nous devons vivre des épreuves pour nous grandir. Nous avons tous un guide ou plusieurs qui nous accompagne dans notre vie et qui change selon notre avancée. Et un ange gardien, nous ne sommes jamais seuls. Bébé, nous apprenons à marcher. On tombe et on se relève, on est déterminé dans cet apprentissage. On ne lâche pas l'affaire. Et on n'a peur de rien. La peur ne fait pas partie de nos vies, car nous ne la connaissons pas encore. Alors, on n'a pas de limite. L'enfance est la meilleure dans une vie, censée être la plus paisible et la plus douce. Période aussi pendant laquelle nous sommes sensibles à l'au-delà, mais vite coupés par la négation des parents ou la non-écoute. L'innocence fait encore partie de nous, mais n'oublions pas que nos modèles restent nos parents, qui eux à leur tour partageront leurs connaissances, qui peut ne pas être bonne ou pas. Puis il y a la société qui nous manipule de façon subliminale aussi. Et nous contrôle par la peur. Si j'ai un conseil, ne regardez plus la télé. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Les apparences sont parfois trompeuses et je dirais même très souvent. Je le répète, et surtout avant de vous endormir,
méditez, voyez un bon film, faites quelque chose de joyeux et de bon, car la nuit, ça peut vous travailler, et donc nous rendre de mauvaise humeur et avoir des mauvaises pensées, et tout cela au fil des jours. Et sachez que la nuit, donc, on fait des voyages astro, où on peut aller voir donc des membres de nos familles qui sont décédés, et aussi être en contact avec notre guide. Puis vient l'adolescence, période médiocre dans une vie, puisque l'on se déteste. On déteste notre tête, notre corps et on se rebelle. La vie n'a pas de sens. Je dirais que c'est la phase la plus importante dans notre vie. Je dirais même que c'est le moment où notre âme veut se révéler. Où nous tous devrions, selon notre avancée spirituelle, connaître notre mission de vie. J'espère que je ne me suis pas trop embrouillée là-dessus. Et la peur fait partie désormais de nos vies, ainsi que les critiques, les rabaissements. Tout ça nous déstabilise, car nous avons perdu notre cœur d'enfant, notre innocence. Alors quand j'entends parler des indigos, supposez que ces personnes insensées, oui, qui les nomment ainsi, auraient choisi la couleur verte de l'aura. Elles diraient les vertes, les bleus, les violets, les roses, les jaunes, les oranges, les rouges. C'est vrai que les indigos, ça sonne mieux, non? Ça reste une couleur. Et j'insiste. Il le restera et personne n'a des super pouvoirs. Parce que son aura sera de 7 ou 7 couleurs. C'est absurde. La couleur nous indique uniquement ce que nous traversons à ce moment-là et quel changement se produisent. Point. C'est une source d'information sur l'état énergétique et psycho-émotionnel. Voilà tout. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'espère que l'image sera bonne. Alors, vous voyez la photo de votre aura. Ok, donc vous voyez la date, c'est le 21 février 2013. Donc, il est temps pour moi d'en refaire une nouvelle. Alors, je vais vous la montrer, j'espère que vous allez voir. Voilà. On me voit vraiment à peine. Alors, je vais essayer de faire sans le reflet. Est-ce que vous voyez? Je dirais que c'est pas mal. C'est très mignon. Plein de orange, de jaune et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais j'ai pas des super pouvoirs. Bref. Alors, aujourd'hui j'ai une autre couleur, hein, c'est plus du tout la même, j'ai vécu d'autres choses depuis 2 ans, et je vous promets, je vous montrerai la prochaine. Et si vous voulez, on peut y aller ensemble, alors, on va prendre une de photos. Alors, continuons. Avant, les gens n'avaient aucune connaissance de tous ces charabias. Le corps éthérique, subtil, blablabla. Plus on nous en rajoute et plus ça nous complique notre existence. Plus on veut nous donner des autres éléments et plus ça nous complique la vie. Pour connaître le bonheur, il faut connaître le malheur. Pour connaître le bien, il faut connaître le mal, etc., etc. Nuit, jour, grand, petit, etc., etc. Et pour le savoir tout ça, vous n'avez pas eu besoin d'un guide. Je ne parle pas de votre guide spirituel. Je parle d'une autre personne. Vous l'avez appris au long de votre vie, non? Si vous vous retrouviez dans une île déserte, seul, votre argent, il vous aiderait à ce moment-là? Non. Car il n'y aurait rien à acheter. L'argent n'aurait donc aucune valeur. Pas de loyer à payer, pas de facture, vous seriez libre de tout. De plus, vous vous débrouilleriez tout seul, car votre instinct le plus primitif et le plus profond, celui de survivre, ressurgirait des profondeurs de votre âme. Et croyez-moi, vous vous en sortiriez bien mieux que dans la vie où vous êtes aujourd'hui. Nous sommes prisonniers d'un système que l'on nous a imposé,
Faut faire des études, trouver un job, fonder sa famille, acheter une voiture, une maison pour le paraître social, enfin bref, un cliché. On est, si on y réfléchit bien, esclave, car si on le décidait, on refuserait tout ce qu'on nous impose pour vivre libre. Mais qui l'oserait? Car aujourd'hui, les personnes sont trop attachées à leur petite vie de confort, alors que tout pourrait être si simple. La peur de tout perdre font les gens douter, chercher d'autres voies qu'ils pensent, peut-être solution à tous leurs problèmes. Le problème étant eux-mêmes en refusant de changer leur mode de vie. Alors que dans cette réincarnation, nous devons nous battre dans nos rêves, non, pour nos rêves, profiter de la vie, être heureux, faire tout ce qu'on a envie, mais l'humain déteste l'humain, puisqu'il s'autodétruit. Tout ça, pourquoi? Pour le pouvoir et l'argent, celui qui sera en haut. En revenant à la source, vous ne chercheriez plus des réponses, puisqu'en vivant intensément la vie et en partageant avec d'autres qui seraient dans le même mode de vie que vous, c'est-à-dire de tout laisser tomber dans tout ce qui est matériel, etc., de vivre le plus simplement possible, vous apprendriez à vous connaître et à échanger. Donc les choses seraient beaucoup plus vécues intensément. Il n'y aurait plus de recherche de ceci ou de cela. Donc, j'ai raté ma phrase. J'essaie de la retrouver. Oui, alors, aujourd'hui, les retraites, les gens travaillent toute leur vie. Pourquoi? Certains n'en profitent pas. Oui, ils meurent avant. Et vous apprendriez de nouveau seul, et c'est dans l'épreuve que l'on saisit tout le sens des choses. Pas de livres, pas de théorie, la pratique. Juste de la pratique. Votre intuition, instinct, lui vous guidera à trouver les solutions, c'est aussi simple que ça. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous possédez déjà en vous? Pour savoir ce que vous voulez faire dans la vie, connaître votre mission, quoi que vous fassiez, vous serez toujours mis sur la bonne voie, sur la bonne route. Cela s'appelle le destin. Ce sera plus ou moins long selon votre compréhension. Par exemple, vous voulez être comédien. Mais vous êtes super nul en comédie. Alors vous allez vous obstiner en le croyant et continuer dans ce chemin, alors que vous êtes destiné certainement à être professeur. Donc, tout se mettra en œuvre pour ça. Aussi simple que ça. Je me rappelle, il y a quelques années, à la télévision, quand je la regardais, parce que ça fait 8 ans que je ne le regarde plus, quand on demandait à une petite fille qu'est-ce qu'elle voulait faire plus tard, elle répondait « Je veux être Star Academy !» C'est quoi cette mission de vie? Pourquoi, selon vous, elle voulait ce chemin de vie? Il y a aussi télé-réalité, ceux adulés hier, oubliés aujourd'hui, qui tombent donc dans la déchéance. Mes pensées vont à Loana qui me fait beaucoup de peine. Et j'espère vraiment qu'elle va se rétablir, je le pense. Sincèrement, si elle se donne tous les moyens. Elle a été vite oubliée. Et pourtant, elle est sensible. Il y a celle se croyant dans un monde où on lui a donné tous les droits. Enfin, elle le pense, s'était permise de poignarder son petit copain. Ça s'appelle tentative de meurtre. Chemin de la facilité du rêve où l'argent est facile et où toutes les tentations sont présentes et permises. Mais ce n'est pas grave, on enlève la droiture, la bonne éducation pour en faire des générations perdues. Nous sommes dans un monde, dès le premier jour de notre naissance, confronté au mal, et où la tentation règne, et qui gagne dans tout ça? Lucifer, qui, je le rappelle, était un ange, était l'un des plus grands anges,
qui veut récupérer un maximum d'âmes. Alors, nous avons été et sommes chaque jour tentés. Votre vie, vous en êtes maître et capitaine de votre âme. Ensuite, il y a le chemin que vous voulez prendre. Soit celui de la facilité ou celui de la persévérance et obstination. Pour vivre votre vie selon vos espérances et convictions. Plus vous irez dans le bien, plus d'épreuves vous aurez. Car la lumière attire les ténèbres. Les épreuves sont là pour nous grandir. Alors réfléchissez à ce que vous souhaitez de tout votre cœur et battez-vous pour l'obtenir. Et surtout, la base, y croire et avoir foi. Faites le tri dans vos vies de personnes qui vous vampirisent et profitent de vous. Ayez confiance en vous. Ne doutez plus jamais de vous. Personne n'est parfait, arrêtez de vous perdre en cherchant ce que vous possédez déjà. Mon point de vue. Dieu, c'est notre boss. Son entreprise, la terre. Son produit, la lumière et l'amour. Ses employés, les archanges et les anges. Et nous, sa création. Nous sommes tous un, nous sommes tous lui. Tout est en nous depuis le premier jour, les ténèbres aussi. Dieu nous laisse libre arbitre à nous de suivre la lumière ou les ténèbres. Nos guides sont là dans ce but, alors quand nous cherchons des réponses, eh bien c'est à eux qu'il faut demander. Soyez plus attentifs aux signes et aux messages que l'on vous transmet. Tout est là devant vous. Alors, si vous le souhaitez, bien sûr, je ferai d'autres vidéos. Hein. Ça, c'est vraiment une approche. Hein. C'est pas tout à fait complet. S'il y a des choses que vous souhaitez savoir, il n'y a aucun problème. Si vous souhaitez que je crée un groupe Facebook où nous pourrons échanger nos connaissances, moi, en tout cas, je pourrais vous guider dans ce sens. Alors, n'hésitez pas, faites-le moi savoir via cette vidéo. Et je ferai de mon mieux donc de créer ce groupe. Je pourrais vous apporter des astuces, des réponses concrètes et tout cela gratuit. Alors, je vous remercie infiniment, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis